Quand la faim me tenaille, je revois le visage anguleux de mon grand-père et j'entends sa voix. Elle était douce, cette voix, malgré la rocaille qu'elle roulait. Il était le seul à raconter avec faconde la vie et l'œuvre de nos ancêtres. Pauvre grand-père, mort, oublié de tous. Silence ! Silence ! Silence ! C'était le mot favori de mon père. Il nous ensevelissait dans cette mort des mots et par les mots. Nous étions terrorisés par le déferlement subi de ses colères. Mère payait constamment les pots cassés. Devait-elle être châtiée de nous avoir mis au monde ? Mon père revenait les yeux éteints, la lippe tombante, vêtements, cheveux et peau enrobés d'une pellicule grise. Je l'ai vu jour après jour s'effriter pour ressembler à la fin de sa vie, à une momie sanglée d'aphasie et d'indigence. Nous avions la fin digne, mais récalcitrante.
Amérique qu'il a connue. Dont les tineurs père et fils. Mais il recrute aussi des scientifiques allemands ou néerlandais qui sont appâtés par le gain, car le Pakistanais paie très bien. Mmh. Autant de personnes qui savent pertinemment que le docteur Kahn veut construire une bombe. Oui, mais peut-être ignorent-ils ou ne veulent-ils pas savoir que leur ancien et si généreux collègue est devenu aussi un personnage résolument anti-occidental, un fou de Dieu, obnubilé par le nationalisme, un homme qui n'en oublie pas pour autant ses propres intérêts et qui va au fil des ans amasser une véritable fortune. Ah oui, parce que c'est aussi un homme d'affaires. Bon, alors voyons. J'aurais dû m'enfuir, quitter cette mansarde. Mais chaque fois, je me suis vu en train d'avouer qu'un jeune homme m'avait recueilli et caché. Combien de fois je me suis vu assis sur une chaise, le visage boursouflé, tentant de raconter que c'était moi et moi seul qui avais vécu dans ce trou. J'aurais dû m'enfuir. Ce lieu, je l'ai maintenant intériorisé. Greffé sous ma peau, une autre manière de parler, de bouger, de m'asseoir. J'avais déjà la manie du chuchotement. À présent, je mesure mes pas, marche sur la pointe des pieds. J'ai décidé de partir. Ce soir ou demain, on retrouvera mon cadavre jeté sur le ballast. Un cahier déchiré dans la main et un sourire, juste un sourire sur les lèvres, pour dire que j'ai vécu pour quelque chose, que je n'ai pas vécu pour rien dans le froid de ce pays qui, s'il a tué mon corps, il a donné des ailes à mon âme. Ne me pleurez pas, ne m'oubliez pas. Je m'installerai à vos portes, je veillerai sur vos rêves, je m'agripperai à vos basques. Car j'ai le sourire arrogant des chiens qui flairent la peur des autres et en vivent une vie entière, pensionnée de la lâcheté. Je ne suis plus ni squelette,
ni homme, ni ombre. Je mets le H là où il faut pour qu'il fasse de l'ombre, un homme et de l'homme son ombre. Car les chiens, voyez-vous, ont plus de place dans vos cœurs que nous, les pépites d'humains, les crassiers de l'Europe. Et d'un monde riche à se crever le foie, vous nous bombardez de cette aisance qui coule de l'écran, et vous voulez qu'on reste là, retraités dès l'enfance, assis sur nos culs à crever de soif et de faim, à quelques kilomètres de votre mangeoire. Et vous nous fermez vos portes, vous nous interdisez d'entrer dans votre chenil, vous bâtissez des murs. Mais on vous fait la nique, on niquera tous les murs, il n'y a rien de plus humain que de niquer la bêtise. Et si vous trouvez dans mon cadavre des vers blancs, prenez-en soin, ils seront bientôt chenilles et papillons. Ils se transformeront en mille monstres qui honteront le ciel à la recherche de nos âmes, nous les abandonnés sur la grève, nous que rejettent les flots par dizaines, bientôt par centaines, mouillés de sanglots, affamés de pitié, gelés par le manque d'amour. Notre armée est de l'autre côté du rivage, prête à toutes les audaces. Et chaque nuit, un détachement vous épuisera à dénombrer ces soldats morts, à les identifier, à les enterrer, les repousser, avant que ne survienne le second détachement, puis le troisième, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus, que vous soyez submergés. Car c'est vous qui préférez soutenir ceux qui nous sucent le sang, au lieu de mettre bas leur tyrannie. C'est trop simple à dire, clamez-vous dans vos discours, à midonner de mensonges, mais c'est fini, on ne vous croit plus. On ne vous croira plus. Je rentre chez moi ce soir, je me jetterai du train, parce que je n'ai pas la tête qu'il faut, et que mon ombre fait de l'ombre au crocodile qui me fait face, qui aimerait bien gagner ses galons au supermarché de la haine, et qui ne rêve que de se faire un clandestin, un bougnoul ou un autre métèque, s'il faut qu'il en crève un. Ce sera ce soir ou jamais. Ha 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 ha